Previously in Winter Activity. Première fois que je fais les falaises de Saint-Hilaire. Magnifique. 14h45 et c'est tout droit vers les Bouges. Merci Julie pour l'info, on arrive. Et ça y est, on est au lac d'Annecy à proprement parler. Mika qui commence à ratatasser. Eh merde. Bon bah je pose. Hein. C'est loupé. Moi c'est un peu comme si j'avais fait deux jours en un là. Je suis encore dans mon vol d'hier. Bien joué pour hier. Merci. Putain, il a réussi à boucler le bâtard. Bon Julie, tu te fais plaisir. Hein. Plaisir avant tout et vous restez bien groupés. Ah, c'est un peu vent de cul, c'est parfait. Ah, j'ai forcé. Oh là là. Mon forçage pour mon premier déco à Merlieu. Le plus dur est fait, maintenant faut repartir là-haut. Youhou. C'est très très beau, on se sort avec les copains. Wouhou. Regardez-moi ça, cette grappe devant. Au col au cul. Axel Charme en dessous. Et là il y a Jonathan avec une aile jaune, mais il attend pas. Il est chaud pour faire toute la chaîne des Azaravi aujourd'hui. Et ben on est au Charmin à 2250 et on traverse tout droit. Un peu poussé par le vent. Voilà, c'est bon. On va faire le nuage et après je me casse. Allez, j'attends Jonathan. Oui. Ligne nuage jusque là-bas. Ouais, ça secoue là. Debout sur le barreau à 60 à l'heure. Et voilà, on arrive doucement à la fin de la chaîne des Aravi. On s'est bien démerdé. Et après, on va tout droit. On va tout droit, loin derrière, là, je crois. C'est... Tu m'as en visuel, Eric? J'ai pris la bonne direction, tu crois? Là, on est censé partir vers là-bas, mais je sais pas trop où taper là-bas dedans. Putain, le bâtard. Eric et Axel, ils sont devant. Je suis en train de pisser tranquille, là. Je me soulage sur les hauts savoyards. Y a pas de raison, ils font pareil à la maison. Ils sont mignons, ils enroulent ensemble. Une petite danse de parade nuptiale. Le type fait l'intérieur sans aucune vergogne. On est que trois et on arrive à s'entraîner dedans presque. Ok, rien, je me casse. Ah, Ricou, ça fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui, hein. Superbe vue, Lausanne au bout, Genève à gauche, tout au fond, le Jura et les Alpes avec le Valais suisse à droite. Et nous arrivons sur le lac Léman et ça y est, on vient de perdre 20 km/h, ça y est là. On est passé dans de la brise en dessous de 2004. Mais alors là je suis un peu niqué là par contre. On avance, on trouve rien et je sais pas ce qui va se passer là au niveau des falaises en face. Allez, on cherche du pé de mouche avec Eric pour se refaire. Moi j'ai encore une option dans le fond de la vallée, sous le vent de la brise. Et je sais pas ce qu'il pète là. Pas grand chose. Ah, pas grand chose. Putain, ça passe pas. Ça va être chaud. Un petit thermique de l'autre côté de cette crête, s'il vous plaît. Ça va être sous le vent, ça va pas être bon. Il va falloir s'accrocher à son slibard. Oh là là, je suis dans la merde encore. Putain, deux jours d'affilée. J'étais censé me rapprocher de la maison aujourd'hui, bah résultat, pas du tout. Voilà, je suis bon pour aller poser en bas là et puis marcher. Allez, c'est parti. Deuxième mission, deuxième jour. Putain, je suis au fin fond de nulle part. Bon bah, j'ai même pas de réseau téléphonique donc je vais voir. Je vais aller à la ferme et puis demander mon chemin. Bonjour, bonjour. Alors, on est où? Hein, là, il y a des petits plateaux. Ça peut redécoller de là, je pense. Ah, mais elle a 30 ans la carte, hein, les filles. Ouais, mais bon. Ok, alors, suivre le petit chemin de la source. Et de l'autre côté, j'espère que je vais trouver du champ pour redécoller. Est-ce que vous sauriez s'il y a un sentier ou une route qui monte jusqu'à la crête là? Alors, vous montez là? Ouais. Vous suivez ce petit chemin? Ouais. Toujours en haut. Sur la droite du torrent? Non, tout droit. C'est pas parce qu'on fait du parapente qu'il n'y a plus d'aventure dans Winter Activity. Hein. Bon bah ça y est, j'en ai marre. S'il vous plaît, un déco facile de l'autre côté. Juste pas trop d'arbres. Il y a des arbres. Ça va être chaud. J'ai installé l'aile au top. Là, j'ai pas d'autre choix. Pas le droit à l'erreur. C'est un échec. J'ai glissé, chef. Voilà, lâche mon aile, petit sapinou. Chaque suspente, une après l'autre. On perd pas patience. Deuxième essai, c'est hyper turbulent, c'est pas facile, mais... Le truc, c'est que si je me jette dans la pente, c'est fini, quoi. Ouah. Oh bah, c'était un peu sportif, mais c'est passé. J'ai fait le bourrin. C'est pas grave, je suis en l'air. J'essaye de faire un plein là, d'avancer et de voir ce qui se passe. Vous voulez pas vous barrer, bande de nuages, là? À chaque fois que j'arrive à un endroit, ça passe à l'ombre, putain. C'est incroyable. C'est l'heure de mener la dernière bataille. Putain, c'est compliqué.
Il n'y a plus rien là. Je me casse. On va à Salanches. La maison elle est derrière là, elle est plein, il y a plein de montagnes avant. Le soleil se couche, il faut se dépêcher Mickaël. Le glide final de cette journée. Voilà. Oh, de l'air chaud. Je sens de l'air chaud dans mon pantalon. Eh, encore un jour où je vais vacher. Oh bah il y a du vent dis donc. Bon bah merci à tous d'avoir suivi cette aventure. Je suis désolé, j'ai fait de mon mieux, mais ça a pas tant marché. Et bah voilà comment ça finit. Deuxième jour, l'histoire se répète. Mais je n'abandonne pas. Ce soir, je rentre quand même à la maison en stop et en voiture. Je pouvais pas dormir à Salanches ce soir, il fallait absolument que je change de caleçon. Deux jours de suite, moi, c'est l'extrême limite. Putain, y'a personne, c'est quoi ce couvre-feu de merde là? Y'a quelqu'un. Ah, trop bien, merci. Ouais, parfait, parfait. Je me suis fait déposer par quelqu'un qui était super sympa. J'attends Axel. Il a posé en haut de sa voie près du lac du Léman, se faire prendre en stop pour redescendre à Thonon-les-Bains. De Thonon-les-Bains, il a pris un train jusqu'à Annemasse. De Annemasse, il a pris un bus jusqu'à Annecy. D'Annecy, il a repris un train jusqu'à Chambéry. Chambéry, Albertville. Et il arrive seulement à Albertville à cette heure-ci, alors qu'il a posé dans la campagne à 14h30. Les journées qu'on se met, putain. Bon, moi c'est beau. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous êtes bien gentils de regarder du parapente. On essaie de rendre ça dynamique, hein. Un peu suspense. Allez, bisous. Abonne-toi si c'est pas déjà fait.